Bonjour à tous, me voici dans la cour de l'école Pergaud où nous sommes en train de préparer pour demain une surprise aux élèves. Imaginez les yeux des petits élèves demain, alors heureusement qu'il y a encore les yeux, hein, puisqu'avec le masque on ne verra pas leur sourire. Ils vont découvrir dans la cour de l'école de nouveaux arbres qui sont en train d'être plantés derrière moi. Alors ça s'active. On va les laisser planter et puis on va aller questionner Jérôme parce que moi je voudrais bien savoir ce que c'est comme arbre. On va s'approcher. J'ai deux femmes qui me fait ici, la première fois sur vous. C'est vrai, hein, chez les hommes. Ah, il faut bien qu'on soit ici. Ah, voilà, voilà. 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 Alors les élus sont venus en renfort des services techniques, on a Madame Campagne et Madame Bouquet qui sont assez cordes sensibles nature et qui sont donc venus prêter main forte aujourd'hui. Alors Jérôme, est-ce que je peux te demander ce qui a été choisi comme arbre? Alors un jingo biloba. Un jingo quoi? Un jingo biloba. Un jingo biloba. Alors l'arbre 40 écus. D'accord, l'arbre de 40 écus. Alors pourquoi vous avez choisi cet arbre-là plutôt qu'un autre? Un arbre qui est plus en hauteur, qui ne va pas trop s'étaler. D'accord. Au niveau racinaire, c'est pareil en fait. Ça va prendre ses racines plus en profondeur. D'accord, donc les racines vont plutôt partir en profondeur. Elles ne devraient pas se partir sur les côtés et ne risquent pas du coup d'endommager la cour. À peu près, on va dire 4 mètres de circonférence. D'accord, donc il ne sera pas non plus trop grand, donc il ne risque pas d'arriver sur les toitures. Et il va monter plutôt en hauteur pour faire bien de l'ombre aux enfants. Exactement. Et le deuxième, c'est le même? C'est le même. Ok, très bien. Merci Jérôme pour ces informations. Alors, les élus, ça va? Ça va très bien, très très bien. Vous êtes au boulot? Oui, très contente de cette initiative. Ça fait bien. C'est super intéressant d'avoir des arbres dans notre ville. Ah, on sent que vous êtes contente. Hein. Ouais. Un peu de verdure, c'est très très bien. On ne peut que se réjouir. Et dans une école, c'est super important puisque... Bah, l'arbre, c'est quand même quelque chose qui amène du bien-être. Oui. Donc, c'est très bien. Très bien. Donc, voilà. Ça vaut le coup de prendre la pelle et d'y aller. Tout à fait, tout à fait. Exact. Bon, alors voilà, on va les laisser travailler. Voilà, vous voyez que le projet qui avait été annoncé pendant les travaux de réfection de la cour ont été menés à bien. Et demain, on n'aura pas encore d'ombre parce qu'on est à l'automne, mais au printemps, ça devrait pouvoir se faire. Merci de votre attention.